Le BLM, voilier de légende, a accosté cet après-midi dans le vieux port de Marseille, un événement salué par des centaines de passionnés. Il s'agit du dernier trois-mâts français à encore naviguer. Il est également le seul bâtiment français à être classé monument historique navigant. Construit à Nantes en 1896, il est utilisé lors d'expéditions en Amérique du Sud. Le BLM donc porte ce nom parce qu'il effectuait un trajet de France jusqu'au Brésil, précisément au port du BLM, au port de BLM, de la ville de BLM, qui se situe dans le nord-est, côté Atlantique, donc du Brésil. Et il ramenait ensuite des fèves de cacao. Il les ramenait et ces fèves de cacao servaient à faire le fameux chocolat Meunier. Il semblerait que cette excursion et ses points historiques aient plu au public qui en ressort ravi. Très bien, très bien. Malgré que ça bougeait, malgré tout, c'était agréable et on a appris pas mal de choses. Disons que j'avais oublié certaines choses, vu que je suis marseillaise. Ça m'est revenu en tête et c'est très bien. Vous pourrez monter à bord du BLM jusqu'à lundi avant qu'il ne reparte en mer pour Monaco.